je pense que je fais des jaloux. Il y a des métiers qui sont plus contraignants. La liberté, c'est quand même quelque chose. Lorsqu'on la connaît, on ne veut plus la quitter. J'ai deux grands amours dans ma vie, ma famille et mon lac. Grand lieu, on succombe à son charme. Il faut un peu l'apprivoiser, cet espace-là. On a la chance d'avoir à 15 minutes de Nantes un site sanctuarisé où la nature peut s'épanouir. Un écrin de verdure en plein cœur de la Loire-Atlantique. Une faune et une flore remarquables qui en font la deuxième réserve ornithologique après la Camargue. Bienvenue au lac de Grandlieu, l'une des plus belles zones humides de France. David, Christophe et Pierre font partie de la poignée de privilégiés à préserver cette réserve naturelle classée à l'UNESCO. Voici Pierre, notre guide du jour. Il en connaît le moindre de ses recoins. C'est un lac qui s'est formé il y a plus de 50 millions d'années. Et lorsqu'il s'est formé, il faisait 60 mètres de fond, mais il a été comblé par des sédiments qui ont été charriés par les cours d'eau qui l'alimentent, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est très peu profond. Donc Grandlieu, c'est un lac qui fait seulement 3 mètres de fond en hiver pour un lac qui fait 6500 hectares, donc ça fait environ 14 000 terrains de foot. Unique en son genre, le lac évolue évidemment au fil des saisons. 35 km carrés en été contre 65 en hiver, il double presque sa superficie grâce aux pluies de l'automne. Autrefois, les bateliers y acheminaient le sel de Guérande. Et la richesse de ce lac a toujours fait le bonheur des pêcheurs. Le village des pêcheurs, traditionnellement à Grandlieu, c'est le village de Passet. Et des pêcheurs, il y en a eu jusqu'à 120 au début du siècle. Désormais, il n'y en a plus que 7. David est l'un d'entre eux. Il est président des pêcheurs du lac de Grandlieu. Il y a 15 ans, il a quitté une entreprise de métallerie de la région pour réaliser son rêve d'enfant. Je pense que mon plus beau souvenir, ça a été lors de ma première levée de filet. J'ai réalisé comment que j'étais devenu pêcheur. Le lac de Grandlieu, c'est quelque chose. Nous, on y vit 365 jours de l'année. Anguilles, écrevisses, carpes, brèmes ou encore poissons-chats. Près de 30 espèces de poissons vivent dans les eaux du lac. David vend sa pêche sur les marchés de mars à novembre et il doit donc affronter tous les temps. J'ai un souvenir météo qui restera marqué. J'étais sous un orage qui était très localisé, qui a duré environ une demi-heure. Et je suis resté couché dans mon bateau sous un morceau de plastique car l'orage était au-dessus de moi et je peux vous dire que j'ai vraiment cru que c'était le dernier jour de ma vie. L'endroit change tous les jours, suivant les saisons, suivant le temps qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Là, vous voyez un lever de soleil qui va changer, parce qu'il y a un nuage de brouillard dessous ou un temps très clair et un passage d'oiseaux devant, on s'en lasse jamais. Autre particularité du site, les 800 hectares de nénuphars. Uniques en Europe, ils disparaissent en hiver. Et la préservation de toutes ces merveilles, on la doit à un seul homme, le parfumeur Jean-Pierre Guerlain. Écologiste avant l'heure, ce passionné de chasse et de pêche y a passé 50 années de sa vie. Il a fait bâtir cette maison ici à la fin des années 50, à un moment où il était en train de devenir le dernier grand propriétaire privé du lac au XXe siècle. Jean-Pierre Guerlain a décidé de faire don de la portion de lac dont il était propriétaire à l'État afin que ça devienne une réserve naturelle. Christophe est gestionnaire de la réserve régionale de Grandlieu. Le lac, lui aussi, c'est toute sa vie. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un site fabuleux qui était à la porte de la maison. Et j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui était un agriculteur, mais qui était un très bon naturaliste. Et donc j'ai eu cette passion qui a été développée tout petit. Et j'ai réussi à en faire mon métier, donc j'ai eu de la chance. Notre passionné puise son bonheur dans la biodiversité que lui offre le lac. Alors pour l'enrichir, il est devenu éleveur. Il y a 22 ans, il a fait le pari de relancer la vache nantaise. Adaptée au climat de la région, elle est parfaite pour brouter ses plaines. Les vaches sont dehors toute l'année. Alors elles ne sont pas toute l'année sur le lac, parce que là où je suis, il y a ça d'eau l'hiver. Donc c'est pas encore des hippopotames, mes vaches. Ici, on était dans une grande roselière, complètement fermée, assez monospécifique en termes d'espèces. Donc elles ont brouté tous ces roseaux et elles ont ouvert le milieu pour créer des habitats favorables, aussi bien aux plantes qu'aux insectes, qu'aux oiseaux. En favorisant le pâturage, eh bien, on va augmenter cette biodiversité. C'est-à-dire qu'en fait, si aujourd'hui il n'y avait pas les vaches, les oies ne viendraient pas ici. Situé sur une des grandes voies migratoires françaises, le lac de Grandlieu est un paradis pour 310 espèces d'oiseaux, dont la plus grande colonie de hérons cendrés d'Europe. Bon, c'est un climat océanique, il fait jamais chaud, jamais froid. C'est un climat, il fait bon vivre. Pour les oiseaux, c'est le paradis. Grandlieu est un endroit totalement magique, au charme fou, que nos amoureux de la nature ne quitteraient pour rien au monde.
J'ai tenu des oiseaux en main qui venaient d'endroits où j'irai jamais sans doute, qui sont au-delà de la Sibérie. Donc vous imaginez, j'aurai jamais cette chance d'aller voir jusqu'où ils ont été nés. Donc c'est aussi des moments intéressants. Enfin. Je suis heureux car on travaille sur un endroit qui est magnifique. On a une quiétude de vie qui est quand même appréciable vis-à-vis des embouteillages. J'espère que ça durera jusqu'à la retraite.